Bien, salut à toutes et à tous, c'est Alain Lemaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 8 de notre série sur Minecraft Cities. Donc, on s'était laissé la dernière fois sur le parking qui n'a pas duré très longtemps. C'est un épisode du petit parking. Bon, je m'en excuse encore, mais là, on va passer sur un plus grand projet qui va être, je pense, le thème principal de cette ville concernant le scénario, le commissariat de police. Donc on va y passer un petit peu plus de temps. Donc on va faire comme d'habitude. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu en off le grand bâtiment autour pour vous empêcher, enfin pas pour vous empêcher de tout voir, mais pour pas vous embêter avec ça. Je vais faire les délimitations de route. Donc je pense le bâtiment, l'entrée va être là. Il va être grand comme ça, il va être en laine bleue. Et enfin, vous allez voir, j'ai été capté d'idées en tête. Je vais pas faire les routes maintenant, mais je fais au moins la délimitation. Bon, voilà comment il va être à peu près. Voilà. Voilà. Bon, ça va être très long pour moi, sachant que j'ai essayé d'installer World Edit, ça n'a pas marché, donc je devrais coder toute cette zone, monter les murs. Ce que je vais faire, bien évidemment, right now. Bon voilà, on se retrouve tout de suite et je vous montre un petit peu le style. Bah, en fait, ce que je vais faire, c'est un truc comme ça, en laine. Et avec un... En fait, ça va venir faire ça comme ça. Voilà. Et il y aura un petit relief en noir qui va venir comme ça. Voilà, et ça va faire ça, ça va faire le tour. Et au-dessus, il y aura encore un étage qui va faire ça avec encore un relief en noir et marqué police en blanc. Et je trouve que ces couleurs-là se marient très très bien. Donc on se retrouve tout de suite dès que j'aurai fini ce bâtiment. Je vais faire le tour comme ça, pas l'intérieur, l'intérieur, je le ferai bien évidemment comme d'habitude avec vous. Peut-être pas tout, pour pas vous embêter un petit peu avec tout ça, ça va être un petit peu répétitif j'imagine. Mais bon, on se retrouve tout de suite, enfin pour vous tout de suite, pour moi dans 10 minutes, 15 minutes. Je vous ferai de gros bisous, je vous dis à tout de suite. Vous voyez, vous me manquez déjà. Voilà, tout de suite. Eh bien, revoir tout le monde, c'est bon, j'ai terminé de faire la façade, un petit peu les alentours. L'intérieur aussi, pas tout est terminé, juste le sol et les étages. Je n'ai rien fait en tant qu'ameublement, en tant que pièce. Mais juste avant de vous montrer un petit peu tout ce que voilà, on voit d'ici. D'abord, j'ai mis du lapis. Et normalement, de loin, vous voyez deux petits carrés. Bon, j'ai installé. J'ai réussi, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Je voudrais aussi me remercier Az qui m'a beaucoup aidé. Parce que c'est la compatibilité de mes mods. Donc j'ai réussi à installer World Edit. Et aussi un petit mod que j'ai installé aussi, c'est QI World Edit qui montre en fait ce qu'on prend comme bloc. Donc voilà. Le problème c'est qu'on peut pas le faire disparaître. Donc si je fais une grande façade, je ferai ça à côté, comme ça on verra bien. Aussi pour vous dire, je suis passé en Minecraft 1.7.10. Donc il y a plusieurs choses, plusieurs blocs qui sont partis. Donc les blocs de diorite surtout qui sont partis. Et à l'intérieur je crois que j'avais rien fait qui était en diorite ou en bloc de Minecraft. Ok, c'est en 1.8 qu'il y avait, un truc au-dessus ici. Ok, d'accord. Et c'est en 1.8. Et là, ici, il y a les barres. Très bien. Donc, bien sûr, je repasserai en 1.8 quand j'aurai terminé la map. Bien sûr, j'utiliserai aussi la diorite. Tout ça, le seul problème, c'est que pour pouvoir avoir World Edit en 1.8, il faut que je crée un serveur, il faut que j'aille sur Bucket et j'ai pas trop envie de prendre de temps. Tandis que là, tout ce qui est par exemple celui-là était en diorite, ce bâtiment-là était en diorite ou en desite, je ne sais plus. Celui-là aussi, je vais l'échanger quand Az sera revenu. Il ouvrira le serveur, je passerai la map, on pourra faire des trucs à deux dessus et je pourrai changer bien évidemment les blocs qui rendront, j'imagine, beaucoup mieux que maintenant. Donc on va passer au poste de police qui est très bon goût. J'aime beaucoup ce poste de police. Après voilà, je ferme jamais trop les bâtiments, comme vous pouvez voir ici ça va être fermé. Celui-là a été fermé, ça c'est le parc, celui-là aussi n'est pas fermé. Celui-là est ouvert, c'est tout à fait normal. Mais c'est juste pour comme je vous dis dans les premiers épisodes,
pour le système d'Azenox, histoire de porte coulissante, un petit peu ce système de porte coulissante qui pourra bien rendre, j'imagine. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Alors, maintenant, on va faire l'escalier. L'escalier qui servira à monter à l'étage supérieur. L'escalier qu'on va faire en pierre, en sonne brique. On va le faire en sonne brique, cet escalier. Je sais, c'est dans le jeu, soit on l'a tapé chez moi. Mais c'est pas grave. Donc, l'escalier, d'abord, on va le faire à partir de là. Non, à partir de là. Voilà. J'entends des bruits bizarres chez moi. On va monter tout ce qu'il y a de plus simple. Comme ça, voilà. On a déjà un escalier de fait. L'étage au-dessus aussi a été fait. Donc tout ça, oui. Pour ceux, je pense que vous en doutez, tout ça je l'ai fait avec Quartzite et c'est extrêmement plus simple par rapport même aux vidéos que je pourrais même en faire plus. Donc voilà, ça me simplifie réellement la vie cette fois-ci. It's real, c'est vrai. Et sérieusement, si vous voulez un tuto, je me ferai un plaisir de vous montrer comment l'installer et vous expliquer un petit peu mes bugs. Donc n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires si vous en voulez. Alors voilà comment ça rend. Ici, bien sûr, ici il va y avoir des vitres. Je ne sais pas encore de quelle couleur je pourrais les mettre. J'hésite parce que avec le blanc, ça pourrait bien faire ressortir un petit peu les couleurs sombres. J'imagine que ça peut bien rendre. Et j'ai envie de tester quelque chose. Donc là, on a du 160 0. Donc si je fais ça. Ça serait place 0 tout de 162.0. Ok, merci à Zenox de m'avoir appris cette commande qui remplace le bloc d'air en glass plane. Donc voilà, voir des hits, sérieusement, c'est la vie si vous voulez faire des grandes maps, des grandes constructions. Et bien sûr, les haches en bois ne peuvent plus être utilisées que ce soit en mode solo, en mode solo plutôt, même en mode. Même sous bucket, c'est impossible de l'utiliser quand vous faites une aventure, quand vous êtes sous bucket et que World Edit est installé. Et bon. Et voilà, voilà. Hop. Voilà. J'aime bien. Il est vraiment pas mal ce petit poste de police. J'ai rien oublié. Maintenant, quand on leur hésite, on pose plus aucun bloc. Donc, on a une grande surface, ce qui est parfait. Ici, ça va être une allée tout à fait droite, qui bien sûr des fois va tourner ici, ici. J'imagine que tu auras des prisons quelque part. J'essaierai d'enlever un petit peu les glaces, j'imagine. Tout ici, là. Tout va être enlevé, là, ici. Là et là. Et ça va être refermé comme ça. Et c'est là où il y aura plusieurs prisons. Bah, je peux les laisser, mais faire un truc comme ça, quoi. Faut pas que. Enfin, faut qu'il y ait de la lumière. Et hop, on va faire ça. Voilà. Et là, c'est là où il y aura les prisons, parce que dans chaque prison, dans chaque poste de police, il y a des prisons. Bien sûr, après, il y aura une grande prison qui sera construite plus tard. Les murs vont être en ces blocs-là, je pense. Et je pense que ça peut bien rendre. Vous voyez, en plus ça rend bien avec le sol. Par contre, ouais, on va le faire au milieu. Ce que je vais faire, c'est je vais faire juste au sol pour l'instant. Ici, là, ça va être un grand truc de bureau. Voilà. On va faire deux entrées. Pas besoin d'être parallèle. Deux entrées, c'est bien, c'est parfait. Donc, comme je vous dis, ici, une grande allée. Ça, ce qu'on va faire.
J'ai une meilleure idée. Ouais, mais ça bouchera la fenêtre, ce qui peut poser quelques soucis. Là, on pourrait faire une pièce aussi. On va faire une pièce ici. Mais en enlevant ça, en mettant ça ici. On va faire une pièce comme ça. Mais une pièce qui ne sera pas ouverte. Une pièce fermée, un élément de décoration. Pour éviter de trop monter l'escalier et pour avoir aussi une belle vue de l'extérieur. Ici on peut faire la même chose. On peut faire la même chose par rapport au bureau. Je vais bien avancer. Ouais, peut-être l'avancer un petit peu plus. Donc, plusieurs bureaux. Ça rend bien. Ça commence à rendre bien. On a plusieurs bureaux. Donc ici ça va être toujours ici, c'est le bureau. Oh, il va y avoir des salles d'interrogation. Il y a bureau aussi. Après, j'ai pas eu l'occasion de visiter un commissariat de police. Mais bon, je vais monter les murs, essayer de faire un petit peu l'intérieur du premier bureau et de la prison. Non, je verrai avec vous pour la prison, mais du premier bureau. Je vais tout monter et on se retrouve tout de suite. À tout de suite les amis. Qui est ça? Eh bien les gens, c'est bon, j'ai terminé le premier étage, sauf que j'ai pas fini la prison, je vais le faire avec vous. Donc voilà comment ça rend au niveau des bureaux, un bureau tout à fait simple, surtout pour la décoration. J'ai eu un petit peu de mal pour trouver comment je voulais faire. En même temps, on n'a pas trop de trucs dans Minecraft. Je voulais installer des mods. En fait, pendant que j'étais en train de construire ça, je me suis dit, bah je vais peut-être installer des mods où ça pourra rajouter des tables et tout ça, mais je me suis dit si jamais on en fait une map aventure, c'est très dur de faire des mods dedans quoi. Il faudrait qu'ils installent un launcher et tout avec un launcher prérequis avant. Donc voilà. De l'extérieur j'aime bien, ça rend vraiment vachement bien de l'extérieur. Et voilà. On va aller voir les prisons. J'ai un petit peu commencé dans les prisons, mais je n'ai pas tout à fait terminé. Donc voilà, il y aura deux prisons. Donc on va mettre ces barreaux là, parce que c'est, on est tous d'accord pour dire que c'est eux qui vont le mieux. Voilà. Et ces portes là que j'attendais plus de 10 ans pour les mettre, les fameuses portes de prison. À chaque fois je voulais les mettre. Et voilà, c'est fait. C'est mis. Voilà, donc voilà comment ça peut rendre les prisons. On peut même, ça me fait rappeler à la prison. Ah là là, je me souviens plus. Je me souviens plus parce qu'il y avait une prison comme ça. Je crois que c'était dans Transporteur, je crois. Il y a une prison comme ça un petit peu. Ça m'a fait rappeler. Ça m'a fait rappeler ça. Donc voilà, des petites chaises pour s'asseoir. On peut même en faire pour 2, 3, 1. Voilà. Bon, voilà comment ça rend des prisons tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, on a fini le premier étage. Ça sent qu'aussi, il faut pas oublier qu'il y aura des personne, donc ça remplira un petit peu. Vous pensez que c'est un petit peu vide, mais il y aura des autres personnes, pas des, ce sera des NPC je pense. Et pour le deuxième étage, donc je vais faire comme j'ai fait en bas, je vais faire les pièces et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Et bien alors, tout le monde, c'est bon, j'ai terminé le commissariat de police. Je vais vous montrer tout de suite en haut, mais juste avant je vous fais rappeler que je dis à pratiquement tout le temps, mais qu'il n'y a pas encore de NPC, ça fait vachement vide, même là toute la ville fait vide. Mais quand il y aura des NPC et des petites voitures qu'on pourra faire mettre dans le parking, tout ça, ça pourra faire encore plus moins vide. Donc on va passer tout de suite. Donc voilà, j'ai pas changé du tout. J'ai mis des bureaux en haut, une salle d'interrogatoire et le bureau du commissaire. Donc là, c'était les prisons. Donc là, vous voyez, ça va faire complètement vide. C'est tout à fait normal. Ici, je pense, je verrai avec As aussi des bonnes idées de meubles. On verra ici pour voir ce qu'on pourrait mettre avec des personnes aussi, des villageois ou quoi. Je peux mettre des villageois, mais le seul problème c'est que, enfin voilà, je vais voir comment je pourrais faire. Donc voilà, là c'est une salle d'interrogatoire ici et là, tout ce qui est le plus simple. Oh, d'accord. Tout ce qui est le plus simple. Là le bureau du directeur avec le siège spécial directeur, et là-bas l'autre salle des bureaux. Comme pareil qu'en bas, on change pas un truc qui gagne. Sauf ici, j'ai oublié une peinture. Une grande si possible. Voilà. On va mettre ça. Et j'ai oublié aussi de mettre. Je viens d'y penser.
de mettre les glowstone. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà. Moi j'aime bien le petit bureau, tout ça fait simple. Mais j'essaie de pas prendre trop de temps sur les choses parce que j'ai toute une ville à faire, sachant que les cours vont reprendre. C'est assez chaud. Donc là j'ai tout fait ça en 2 jours. Toute la ville a été faite en 2 jours, sachant que en 2 jours j'ai dû poster plus de 8 épisodes. Donc voilà, c'était assez chaud avec les rendus et tout ça. Donc voilà, on va laisser le commissariat de police comme ça. Moi j'aime bien. Il est très très beau. Et puis voilà, on se retrouve dans un prochain épisode. Je verrai sur quoi je vais faire, parce que là j'ai réellement aucune idée. Mais voilà, on se retrouve dans le prochain épisode. Je vous ferai de vos jeux de la prochaine. Allez, kiss. Bye bye.